Si jamais tu agis comme la personne que tu veux devenir dans le futur dès aujourd'hui, bah tu deviens cette personne du futur dès aujourd'hui. Oui ou non? Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner, tu connais même petit j'aime. Hein, ici c'est Jonathan Hachi. Et aujourd'hui on va parler de... Parce qu'il y a beaucoup de gars en fait qui me demandent, j'avais vu ça en commentaire, ouais, comment je fais pour pouvoir augmenter ma note sur le marché du célibat. Donc j'ai décidé d'en faire une vidéo. Ok, parce qu'en vérité, tu n'es pas moche, c'est juste que tu es fainéant. Ok, imaginons, on va partir, t'es un 2, ok, on va dire t'es un 2, voilà, ce qui est quand même rare, mais vas-y, on va dire ça fait un 2. Alors déjà, première étape, qu'est-ce que je ferai? Bah directement, j'irai à la salle de sport et je ferai attention à ce que je mange. En plus, quand tu vas aller à la salle, ça va t'apprendre la discipline, la détermination. Et la discipline, la détermination, c'est ce qu'il te faut pour pouvoir accomplir tout dans ta vie. Donc déjà, voilà, je vais à la salle. Tous les jours, boum, 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 je fais attention à ce que je mange, je suis déter, boum, j'arrive, j'ai le six-pack, ok? Déjà, quand tu as le six-pack, déjà, on va dire qu'on allait, on va dire que tu t'es passé à un 4, ok? On a remonté au moins à 5, mais vas-y, pour faire le mec, genre, on va pas surestimer, on va dire tu es un 4. Alors qu'il y a un an, tu étais quand même un 2, ok? Donc là, tu es un 4. Deuxième étape, c'est changer sa garde-robe, ok? Moi, je partirais sur vraiment mettre des vêtements parce que ça c'est des erreurs que j'ai fait beaucoup. Et je pense qu'il y a beaucoup de gars qui font ça. C'est qu'en fait, on met des vêtements qui ne te mettent pas en valeur, en fait. On met des vêtements qui te fitent pas, comme ils disent en anglais. Parce qu'en fait, chaque personne a des avantages et des inconvénients, des forces et des faiblesses par rapport à son corps. Et en fait, il faut que tu mettes des vêtements qui mettent en valeur non tes faiblesses, mais plutôt tes points forts, tu vois. Donc, l'idée, c'est de changer ta garde-robe, de bien t'habiller, tu vois. En plus, je suis en train de lire un livre en ce moment. En tout cas, c'est un livre au sujet de la puissance de l'apparence. Et c'est marrant parce qu'il disait qu'en fait, la plupart des gars, en général, ils veulent juste s'habiller juste pour pas avoir la honte. S'habiller juste, ça va. Tu vois, genre, pas qu'on dise c'est un ouf lui, comment il s'habille, tu vois, mais pas genre essayer d'exceller, être super bien habillé, comme si genre c'était un truc qui était réservé aux meufs. Tu vois, comme si genre tu perds ta masculinité si jamais tu fais attention à comment tu t'habilles. Alors après, il faut pas aller dans l'extrême parce que oui, là, il y a peut-être un petit problème si jamais tu prends plus de temps pour t'habiller que ta meuf, peut-être qu'il y a un souci. Parce qu'elle, quand même, elle doit s'habiller, elle doit se coiffer et elle doit mettre du maquillage. Donc si tu prends plus de temps, bon. Voilà, mais en tout cas, il disait que voilà, la plupart des gars, genre, ils veulent juste s'habiller, genre, mais juste ce qu'il faut pour pas être ridicule, mais pas pour être bon, tu vois. Et lui, il comparait ça, genre, parce que c'est une forme de communication, la manière dont tu t'habilles, et il disait que c'est comme si, genre, tu parles, mais tu essaies pas de parler bien, genre, tu parles, genre, pour dire je veux manger, il disait, genre, il prenait un exemple, manger, tu dis juste manger, tu vois. En fait, genre, comme si tu n'essaies pas de parler bien en français ou tu n'essaies pas de parler bien en anglais, ça n'aurait pas de sens, tu vois. Et il dit, ben, en fait, c'est pareil, la plupart des gars, c'est ce qu'ils font quand, de la manière dont ils s'habillent. Donc bref, ça, c'était pour te donner un exemple. Et en plus, je lis ce livre en anglais. Ouais, on devient une meilleure version de soi-même. Il y a 3-4 ans, cousin, les gens qui me connaissent depuis longtemps, ils savent. Parce que toi, tu me vois comme ça, tu crois que c'est normal, je parle anglais. Gars, les gens qui me connaissent sont obligés de dire, mais comment c'est possible? Jonathan, il parle anglais? Comment c'est possible? Qu'est-ce qui s'est passé? À l'école, gars, j'avais 7. Insuffisant. Insuffisant, c'était le mot préféré de mes professeurs. Insuffisant. Insuffisant, perturbateur aussi. Bon, c'est voilà, c'est ça les deux paires. Mais insuffisant. En anglais, insuffisant. Ça bougeait pas. Donc bref, déjà, si tu fais attention à la manière dont tu t'habilles, tu changes ta garde-robe, tu mets des vêtements qui te vont bien. J'avais fait une interview avec... j'oublie son prénom. Et même, il disait que les hommes les plus stylés du monde sortent avec les plus belles femmes. Ok, donc après, tu n'as peut-être pas besoin d'arriver à ce degré de style, tu vois. Donc, cherche dans mes interviews. J'avais interviewé... j'oublie comment il s'appelle. Donc, tu m'excuseras si jamais tu regardes la vidéo. Mais voilà, qui était vraiment à fond dans le style, tout ça. Et vraiment à un niveau... Ok, donc s'il le faut, tu prends un coach, je sais pas, tu te débrouilles, mais change ta garde-robe, mets des vêtements qui te vont bien. Ok, et donc déjà là, si on va dire que tu étais un 5, tu es au moins passé déjà à un 6, ou plutôt on va dire un 5. Ok, on va dire un 5, voilà, tu es un gars moyen. Voilà, un gars moyen, tu es un 5. Il y a un an, tu étais un 2. Donc après, on va dire un an, j'avais dit un an, le temps que tu perds du poids et tout. Vas-y, on va dire un an et demi, le temps que tu comprennes comment bien t'habiller, etc. Que tu achètes tes vêtements, etc. Donc on va dire. Il y a un an et demi, tu étais un 2, là, tu es quand même un 5. Troisième chose, c'est travailler sur sa confiance en soi. Agir comme si tu étais déjà la personne du futur.
Ok, soit la personne que tu veux devenir dans le futur, la personne que tu imagines qui est la personne que tu veux devenir, il faut que tu agisses comme si tu étais déjà cette personne aujourd'hui. Et c'est magique parce que du coup, ton futur va être ton présent. Ah, c'est un peu perché, on dirait, mais ça a du sens. Ça a du sens ou pas? Si jamais tu agis comme la personne que tu veux devenir dans le futur dès aujourd'hui, bah, tu deviens cette personne du futur dès aujourd'hui. Oui ou non? Ok, donc travailler sur ta confiance en toi. Ok, les femmes sont attirées par les hommes qui ont confiance en eux. Tu peux pas être timide comme ça. Non, il faut que tu aies confiance en toi. Bombe le torse, comme il me disait quand j'étais chez les pompiers de Paris. Bombe le torse, pompiers de Paris ou pas? Repos. Bref, donc du coup les gars, ouais, soyez confiants. Travaillez là-dessus s'il te faut. Lis des livres là-dessus. Ok, fais des petites actions tous les jours, des petites actions pas énormes si jamais t'es pas gars qui a confiance en toi. Fais des petites actions au début, tu vois, où tu as des petites victoires. Et à force d'avoir des petites victoires, boum, 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 tu vas avoir des grosses victoires. Et plus tu vas passer à l'action, parce qu'il n'y a pas de secret, pour avoir confiance en soi, il faut faire des choses. Il faut accomplir des petites choses, même si c'est des petits trucs. Accomplir des petites choses. Ah, t'as posté une vidéo. Ah, boum, ah, j'ai posté une vidéo. Ah, donc je peux poster des vidéos. Donc tu vas poster une deuxième. Ah, ouais, ainsi de suite. Et après, t'as une chaîne, après, t'as une big chaîne. Ok? Donc là, quand tu travailles sur ta confiance en toi, on va dire t'es un 6 maintenant. T'es un 6. Déjà, quand t'es un 6, t'es bien. Ça n'a rien à voir avec le 2. C'est le jour et la nuit. Ok? On va dire, vas-y, ça a pris 2 ans. Ok? Le tout là, pour arriver au point où t'es 6. Il y a 2 ans, t'étais un 2. Quand t'es un 2, les meufs ne te voient pas. Elles sont là, Gérard, ouh, Gérard. Non, il n'y a pas Gérard. Hein, on ne te voit pas. T'es là, mais je suis là, mais je suis invisible ou pas? Elle te voit pas, ok? Là, 6, déjà on te voit là déjà. Déjà, ta vie elle a changé déjà. Ta vie elle a changé, ok? Déjà, il y en a quelques-unes qui te voient. Elle dit, ah mais je te vois, mais oui, mais j'ai toujours été là, Géraldine. Ah bon, non, c'est la première fois que je te vois. Mais t'étais où avant? En fait, ça fait 10 ans que j'habite ici, j'ai toujours été là. En fait, on se croisait tout le temps en fait. Ça fait 10 ans que je te croise tous les matins. Ah bon? Je t'avais jamais vu. Ah ben, enchanté. Enchanté Gérard. Ensuite tu te dis ok, bon maintenant, ok on est à 6, comment je fais pour pouvoir aller à l'étape au-dessus? Donc là c'est simple, il faut que tu fasses partie des 10%. Il faut que tu fasses partie des 10% de quelque chose. Voilà, il faut te lancer, ou ça soit lancer un business, ou regarde les tafs, parce que en vérité tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Alors c'est vrai que cette chaîne-là, je parle en général, je vous motive à être entrepreneur. Maintenant, il y a des gens, tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Tu vois, j'avais fait aussi une vidéo où les raisons pourquoi peut-être que ce n'est pas fait pour toi, le fait d'être entrepreneur. Ok? Parce qu'il y a une certaine sécurité d'avoir de l'argent qui tombe tous les mois, de ne pas avoir à réfléchir, de ne pas avoir de pression, de stress par rapport au fait que bah, si tu t'offres pas, il n'y a pas d'oseille qui rentre. Tu vois? Mais par contre, tu es récompensé parce que quand tu lances ton business, bon, bah, c'est infini en fait. C'est-à-dire que tu peux faire 20 000 euros par mois, 100K, 200K, 1 million par mois. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de fin. Quoi. C'est ça qui déchire. Et puis après, tu es super libre. Bref. Donc l'idée c'est que tu fasses partie des 10%. Donc lance-toi, regarde, je sais pas, les métiers qui sont les mieux payés, ou lance ton business tout simplement. Et après il faut que tu charbonnes et fais partie des meilleurs, fais partie des 10% dans ceux dont tu te lances. Je sais pas moi, si tu veux te lancer dans la salsa, tu veux être un danseur de salsa, hein, parce que je suis en Colombie maintenant, tu connais, je fais des petits pas de salsa. Wow, t'as vu ou pas? Je te la refais. Je fais des petits pas de salsa ou pas? Chut, ok, bon bref, donc du coup il faut faire partie des 10%. Ok, bon, je te prends l'exemple de salsa, mais si tu fais partie des 10% des meilleurs danseurs de salsa, tu vas forcément bien gagner ta vie. Hein. Et tu vas augmenter ta note sur le marché du célibat. Après, bon, je pense pas que ça soit la meilleure solution. Après, ça dépend si tu kiffes ça, mais bon, je pense pas que ça soit la meilleure solution pour faire de l'oseille. Regarde l'endroit où les gens ils font le plus d'oseille. Si tu veux être un copywriter, fais partie des 10% des meilleurs copywriters. Si jamais tu veux lancer ton business, fais partie des meilleurs des 10%, ok? Déjà, quand tu lances ton business, tu vas faire partie des 10% rapidement, parce que c'est pas compliqué de faire partie des 10%. À partir du moment où tu fais plus de 7K en France, je pense, un truc comme ça, même 5K, 5, 6, 7K, un truc comme ça, bon, vise 10K. À partir du moment où tu fais 10K, déjà, tu as mis en PLS tout le monde. Tu es dans les 1% moi, en France. Ok? Donc, c'est pas compliqué, c'est juste que ça prend du temps. Voilà. Et le problème, c'est que les gens, ils sont pas prêts à faire les sacrifices qu'il faut pour pouvoir faire partie des 10%. Parce que du coup, faut oublier Netflix, faut oublier les pornos, faut oublier les sorties. Il faut taffer en fait. Tu vois, et la plupart des gens sont pas prêts à faire les sacrifices qu'il faut et ils gaspillent toute leur vingtaine, leur trentaine, même leur quarantaine, même toute leur vie à rien faire en fait. Donc quand tu fais partie des 10%, tu vas faire de l'oseille, ok, et là à ce moment là on va dire que là tu es au moins à, moi je mets un 7-8, tu vois, tu es au moins à 8, un truc comme ça.
Et ça, pour ça, je rajoute encore un 5 ans. Comme j'ai l'habitude de dire, de toute façon, pour l'instant, ton business, le temps que tu perces, le temps que tu réussisses, ça prend entre 5, enfin 2 à 5 ans pour pouvoir faire au moins 10K par mois, tu vois, ça me paraît raisonnable. Et après, les millions sont entre 5 à 10 ans, ok, quand tu te lances en entrepreneuriat. Après, si tu as un boulot, bah, tu auras un bon boulot. Voilà, si tu fais 3K par mois, déjà, tu seras déjà bien. Tu ne feras pas partie des 10%, tu feras partie des 3K. Je pense que tu fais partie des 20% peut-être, 10%. Ah, ça, je ne me rappelle plus du coup. Donc, je ne te dis pas, je ne vais pas te dire des bêtises, je ne sais plus, mais déjà 3K, je pense que tu es déjà bien. Mais ce n'est pas un truc de ouf non plus, tu vois, mais c'est déjà pas mal. Donc, du coup, voilà, tu es à 8. Maintenant, comment on fait encore pour passer encore un level au-dessus? Bah, déjà, je te dirais, bah, c'est plus tu vas faire de l'argent et plus tu vas travailler sur ton statut. Ok, donc c'est plus tu vas travailler sur ton statut et ton argent, plus tu vas encore augmenter ta note sur le marché du célibat. Mais si jamais tu n'as pas le dernier point que je vais te dire, c'est-à-dire la communication. Ok, ça c'est le dernier point sur lequel tu dois travailler, la communication. Connaître la nature féminine. Si tu ne connais pas la nature féminine, j'ai tout réuni, le secret de la nature féminine, dans Zeus. Ok, donc tu peux aller jeter un coup d'œil si jamais tu n'y as jamais été. Il faut que tu apprennes à communiquer parce qu'il y a trop de gars qui sont là, qu'au de l'oseille. J'ai déjà entendu des meufs dire ça. Ouais, le gars, il est millionnaire, mais il est super bizarre en fait, le gars. Tu vois, il est pas à l'aise, machin. Il la porte en l'air comme Will Smith il fait par exemple avec sa femme. Tu vois les résultats que ça donne. Il la porte en l'air alors que la femme elle est hypergame, donc forcément elle va toujours viser en haut. Si jamais elle est pas en bas, en fait tu vas pas remplir son hypergame. Bah, du coup tu vas pas remplir son hypergamie. Donc les gars ils font des grosses erreurs comme ça. Donc comprendre la nature féminine, des trucs basiques simples, et puis après travailler sur ta communication. Et ça, c'est pas magique, les gars, il va falloir travailler. Il faut travailler, il faut pratiquer, il faut aller voir au moins une personne, allez, on va dire au moins une personne par jour, parler avec la personne. Est-ce que je vais se faire rejeter? Oui, il y a de grandes chances. Hein, c'est notre quotidien, de toute façon, en tant que gars, de se faire rejeter. Quand les meufs se font rejeter, elles comprennent pas. Elles disent, ah ouais, toi, c'est abusé, hein. Mais nous, c'est notre quotidien. Donc, les gars, travailler sur votre communication, aller aborder des filles, parler avec elles, encourager une conversation, storytelling, tu vois, à force de parler, évidemment, tu vas te faire rejeter, mais à un moment donné, tu vas comprendre les principes, à un moment donné, ah, ok, quand je fais ça, ça ne fonctionne pas, là, quand je fais ça, ça fonctionne, etc. Tu auras l'habitude de rentrer en communication, tu vas rentrer en confiance, tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à la confiance. Plus tu vas faire des petites actions et à un moment donné, tu vas voir que tu arrives à les faire, ben, ça va te donner de la confiance. Tu vas commencer à parler, tu vas commencer à savoir comment charmer la femme, comment donner cette impression de que tu es intéressant, etc. D'avoir une bonne interaction, tout simplement, tu vois. Ben ça, il faut pratiquer. Il n'y a rien que tu peux lire dans les livres, hop, comme ça. Et puis, dès que tu sais pas Matrix, hein, hop, là, c'est bon. Non, tu es obligé de lire. Ok, j'ai les informations et maintenant, il faut que je les mette en pratique. Et à force d'aller aborder des filles, de parler avec elles, rentrer en conversation, pas forcément pour aller peut-être prendre le numéro ou un truc comme ça. Évidemment, si jamais tu vois que c'est une ouverture, n'hésite pas. Mais ce que je veux dire, c'est que déjà, juste pour rentrer en conversation avec des gens que tu connais pas, boum, tu parles avec eux, boum, que tu sois à l'aise, que tu sois pas un truc bizarre, sois en stress quand tu parles avec une femme, par exemple. Et plus tu vas pratiquer, eh ben, plus tu vas savoir comment séduire, plus tu vas savoir avoir une bonne interaction. Et là, le package, là, pour moi, là, tu montes au moins à 9, tu vois. Tu montes à 8, 9, tu vois. Si là, tu as tout travaillé. Après, il faudra travailler sur tout ce qui est comment te marketer sur les réseaux sociaux, parce que ça, c'est important. Grossir ton statut, etc. Et évidemment, parce que si jamais tu réunis tout ça, plus après, je sais pas, tu deviens une célébrité ou un truc comme ça, enfin, tu as plus de statut, tu accomplis des choses, j'en sais rien. En tout cas, tu as du statut, tu prends du statut, et ben forcément, ben là, tu passes à 10 et 10 et au-delà. Hein. Mais le statut tout seul, par exemple, la célébrité ne fonctionne pas, tu vois. On le voit avec Johnny Depp, elle s'est fait victimiser chez lui. En plus, elle voulait en plus lui prendre tout son argent et encore plus se défoncer. Incroyable. Tu vois, avec Will Smith, enfin, on pourrait. La liste est longue, ok? Donc, ce dernier point, il est super important. Et tu vois, ce que je viens de te dire, les étapes que je viens de te dire, moi-même, je suis en train de travailler là-dessus pour être la meilleure version de moi-même. Je veux être la meilleure de la meilleure version de moi-même dans tous les aspects de ma vie. Et bien, tout ça, ça prend du temps. Comme pour le business, tout ce que je viens de te dire, ça, pour avoir le résultat que je viens de te dire, final, genre un 9, ça prend entre 5 à 10 ans. Combien de personnes sont prêtes à travailler 5 à 10 ans pour pouvoir être la meilleure version de soi-même? Combien de personnes sont prêtes à faire ça? Donc, c'est pour ça que le titre est « T'es pas laid ou moche ou un truc comme ça, c'est juste que tu veux pas travailler sur toi. » Tout en sachant qu'après, tu vas dire « Ouais, mais nous, au niveau de la beauté, etc. » Les femmes ne sont pas attirées premièrement par la beauté, elles sont attirées par la sécurité. Okay? Même si elles te disent le contraire, etc. Et ça, il y a des exemples, les gars, enfin, vous le voyez, il suffit juste d'ouvrir les yeux, les gars. Et vous allez voir. Les plus belles femmes ne sont pas avec les hommes les plus beaux. Ou même s'il y en a certaines femmes qui sont avec des gars qui sont beaux,
En général, elles sont avec les gars les plus puissants, tout simplement. C'est-à-dire qu'ils ont du statut et qui ont de l'argent. Mais dans tous les cas, si tu penses ça, c'est que tu commences à vouloir chercher des excuses, etc. 5 à 10 ans pour charbonner, pour pouvoir devenir la meilleure version de toi-même et du coup avoir les résultats que tu voudrais avoir. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si jamais tu veux aller plus loin avec moi, je te rappelle que tu as Pirate Marketing où je te partage toutes les stratégies pour pouvoir atteindre au minimum les 5K par mois. Okay, c'est simple, c'est des stratégies que j'utilise toujours actuellement, que mes coachés ont utilisées. Il y en a qui sont même indépendants financièrement aujourd'hui. Okay, il n'y a pas de secret. Et en plus, j'ai rajouté en bonus comment investir en immobilier. Il y a un expert qui est intervenu pour pouvoir en parler, comment investir dans les startups, sur le branding, etc. Je t'ai fait vraiment un truc complet pour que tu n'aies plus qu'après à passer à l'action et faire de l'oseille. Et cette formation est 100% financée. Donc, tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer sur le lien qui est dans la description. Okay, tu mets ton nom, ton prénom, ton numéro de téléphone. Il y a un membre de mon équipe qui va te rappeler. Et tu pourras poser toutes tes questions par rapport à ça. Tu pourras aussi utiliser ton CPF. Donc, du coup, on va t'accompagner de A à Z à monter ton dossier, etc. Et après, on aura les accès à Pirate Marketing. Et après, il faudra passer à l'action et charbonner. De toute façon, c'est un des points sur lequel il faut travailler. Il faut faire de l'oseille. Après, tu choisis comme tu veux le chemin que tu veux pour faire de l'oseille. Mais à un moment donné, par contre, il va falloir le faire si tu veux vraiment augmenter sur le marché du célibat. Ça ne sert à rien de se plaindre. Il faut juste entendre la vérité et passer à l'action. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. On lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux, il y a nous. Je suis à ton camp.